بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue pour cette nouvelle émission sur Fulkan TV. Cette émission sera consacrée donc aux questions sur l'islam, des questions de jurisprudence. Cette émission Fatawa que vous pourrez retrouver. Donc si vous voulez poser des questions pour les prochaines émissions, vous pouvez donc à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran, contact@fulkan.tv, ou également vous avez Facebook, Fourcan.tv, ou alors Twitter, et également donc Twitter Fourcan TV Media, et pour retrouver nos émissions également sur YouTube et sur donc le site www.fourcan.tv. Je reçois donc Cheikh Omar Mahmoud. Merci donc d'être présent pour cette première émission. Donc cette première émission sera consacrée exclusivement aux jeûnes donc du Ramadan, qui est le pilier de l'islam. Donc on va commencer par la première question. Quel est donc le contexte de révélation de ce pilier, justement? A'udhu billahi samin alim min shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Alors, premièrement, il faut savoir que pour bien connaître et pour bien étudier les règles de la religion au niveau de jurisprudence, il faut tout d'abord avoir ou posséder la clé, ou détenir la clé. Et la clé, c'est la langue arabe. Alors, quand on parle du saoum, du siyam, hein, il faut connaître, ou bien le ramadan, il faut connaître le sens linguistique de ce mot. Et en sachant que le saoum veut dire, dans la langue arabe, l'abstention ou l'abstinence. Donc aujourd'hui, on sait que quand on parle du siyam, on parle des choses qu'on ne fait pas. Le ramadan, ça vient du mot ramda. Pourquoi? Parce que le ramda, c'est la forte chaleur ou la canicule du Sahara. Car le jeûne, lorsqu'il fut prescrit, il a été prescrit en période estivale, en deuxième année de l'Hégire. Et lorsque les désirs et les passions, tout ce qui est désir et tout ce qui est passion, font partie de l'être humain lui-même, et qu'il est très difficile, ça fait partie du jihad, c'est-à-dire le grand effort, l'effort majeur, le jihad l'akbar, de s'en débarrasser ou d'éduquer son nefs, alors Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, le miséricordieux, il n'a pas prescrit le jeûne dans la période mécoise, en sachant que la période mécoise, il n'y avait aucune adoration, aucune règle religieuse. C'est une période éducative. Donc, il a été prescrit après la hijra, après l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, la deuxième année exactement, ainsi que l'interdiction aussi. Ça fait partie aussi des choses qu'on a du mal à, comme l'interdiction de l'alcool. Il n'avait pas été interdit, comme vous le savez. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah azzawajal, ou lorsqu'il a rencontré son Seigneur, fut décédé, il n'a jeûné que 9 ramadans. Il a jeûné que 9 ramadans. Naam. Wallahu a'lam. Donc, merci au niveau de la contextualisation. Donc, pour tout musulman, quand arrive donc ce mois béni, déjà, pour savoir peut-être un petit mot sur l'observation de la lune. Alors, l'observation de la lune, c'est un sujet très très long. L'observation de la lune, déjà, chez les ulama, le consensus et le jomhour doit être sans polémique et sans, doit être à la UNU, hein. Avec le témoignage de deux, ou avec la présence de deux témoins intègres. Après, on peut utiliser les moyens
de la technologie, parce qu'on sait que l'islam s'adapte, et d'ailleurs c'est lui qui nous a apporté dans le Coran depuis 14 siècles les clés de la technologie, la science et l'évolution scientifique, mais on ne peut pas se fier malheureusement entièrement au calcul astronomique. Il faut toujours attendre les avis des savants et l'observation humaine, si vous voulez, physique de la Lune. Donc si on ne voit pas le croissant de lune, il faut compléter Shaaban. De préférence. Voilà. Je fais partie de cet avis, c'est-à-dire de compléter, de revenir à la source. Hein, de revenir à la source quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fa'in rumma alaykum ». Rumma, ça veut dire lorsqu'il a été caché, ou lorsqu'il y a eu un obstacle entre le croissant lune par un nuage ou par des brouillards, et entre votre vue à l'œil nu. Hein, « Fa'akmilu iddata Shaaban 30 », compléter donc le terme de Shaaban 30 jours. Non. D'accord. Et quelles sont donc les conditions de validité du jeûne? Alors, les conditions du jeûne, tout d'abord, c'est la niyya. Hein. On sait que dans toutes les adorations, l'intention doit être présente. Allah Azza wa Jalla dit. Et l'intention doit être que pour Allah. Donc, il faut. Je rappelle à nos chers fidèles de la communauté musulmane. De faire très attention à la niya et de la faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahu ad-din. On leur a ordonné de n'adorer qu'Allah avec sincérité dans la religion. Ainsi que le deuxième élément, c'est que cette niya ou cet acte-là doit être conforme à la sunna, à la tradition, aux enseignements du prophète alayhi salatu wasalam. Car c'est lui qui nous a apporté cette religion. Nous lui devons ceci. Alors, la niya, il y a ce qu'on appelle la fermeté et la précision. La fermeté dans la niya, c'est-à-dire d'être sûr de l'accorder, de l'accomplir avec certitude, de l'accomplir avec précision, d'accord ? C'est-à-dire lorsque la nuit du Ramadan arrive, c'est-à-dire la veille, car la nuit appartient au lendemain, hein, on doit préciser la niya. On doit préciser que c'est le mois du Ramadan, c'est un saum de catégorie obligatoire, siyam ou fard, et non le siyam de tatawu, le siyam surérogatoire. Ça c'est important chez les ulama. Ça on le fait au maghrib. Ça on le fait à partir du coucher du soleil. D'accord. Jusqu'au imsak, c'est-à-dire jusqu'au... non, ça c'est très important. Et ça c'est le consensus, les jumhur, les shafi'ites, les hanafites et les hanbalites le précisent bien, sont mis d'accord sur cette... C'est ça qui va valider donc le jeûne du Ramadan. Bien Est-ce sûr. Qu'il faut le faire que pour le début du mois ou tous les jours? Pour toutes les nuits. Pour chaque nuit, il faut accorder, c'est-à-dire il faut renforcer la niya. Si vous voulez, c'est une question de renouveler la niya. Nous avons le hadith qui est dans le Tirmidhi, dans le sommaire du Tirmidhi et Abu Daoud, le hadith d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, qui rapporte de sa mère, notre mère Hafsa, radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man lam yujmi' siyam, celui qui n'a pas accordé la niya du siyam, hein, il n'aura pas de siyam, c'est-à-dire son siyam n'est pas valable. Oui. Voilà. Donc nous avons la puberté, ça c'est quelque chose de. Non, la puberté, ainsi que la raison bien sûr. Aussi la condition qui est précise, qui est spécifiée au Ramadan, c'est l'apparition de la lune. Non. Voilà. Non. Donc on peut peut-être évoquer donc maintenant les mérites. Quels sont les mérites de ce jeûne, de ce pilier de l'islam? Alors le mérite qui a englobé si vous voulez tous les mérites, hein, c'est la fin du verset quand Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, ceux qui ont cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, c'est-à-dire les nations, parce que la règle dit shar'u man qablana shar'u lana, c'est-à-dire les législations, les adorations de des communautés monothéistes, des Hébreux, des chrétiens, nous les avons. Kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, afin que vous craigniez, c'est-à-dire afin que vous atteigniez le degré de la piété, de la taqwa. Et sous la taqwa, il y a beaucoup de choses. D'accord. Il y a d'abord,
Ça, c'est important parce qu'on parle beaucoup du mérite. Il y a les gens, malheureusement, parfois, ils sont perdus. Il y a d'abord cette règle que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous l'a précisée. Et aussi, c'est une règle, c'est un fondement de la religion. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. C'est-à-dire, il faut d'abord éliminer les impuretés du cœur. Il faut d'abord éliminer les impuretés de la maison, des vêtements. Après, on peut apporter les bonnes choses et les choses bénéfiques. Donc, le premier mérite, c'est d'éliminer d'abord toutes les maladies. Alors, moi, le conseil que, si vous permettez, que j'apporte à la communauté, c'est de choisir juste un objectif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire. Et le nafs aussi, malheureusement, hein, il faut se fixer juste un objectif. J'ai décidé, à partir de ce Ramadan, à vie, hein, d'amener un projet de ne plus mentir, de ne plus, par exemple, consommer le riba, de préserver ma langue, de garder maximum le silence. Ça dépend de mon défaut, d'accord? D'arrêter de fumer. D'arrêter de fumer, ça c'est, ça c'est, non, bien sûr. D'arrêter de faire des choses qui provoquent la colère d'Allah. Ou s'il y a des personnes qui ne prient pas et qui font quand même Ah, le ça c'est. ramadan, Alors ça c'est la question courante ça parce que c'est... tout à l'heure tu as évoqué les questions. Ça, je dis pas, je ne peux pas dire. Et c'est vrai que normalement dans le charia, celui qui fait le ramadan et qui ne fait pas la prière, son ramadan, il ne peut pas être accepté, il n'est pas valable. Mais ça, c'est-à-dire, je dis quand même, j'encourage quand même la communauté qui ne font pas la prière, qui font le ramadan, je salue alhamdoulilah, je salue. Mais il ne faut pas rester ici. Il faut savoir que le ramadan dépend d'eux, c'est-à-dire les autres piliers de l'islam, elles sont tenues par le pilier central de l'islam, la salat. La salat, c'est le pilier central. Nous avons les quatre piliers de l'islam. La shahada, le zakat, l'aumône, le pèlerinage et voilà. Donc ça c'est très important à savoir. Non. Donc Voilà. c'est peut-être aussi l'occasion C'est pour faire la l'occasion prière de se et réconcilier avec voilà, Allah, tout à fait. d'embellir ce jeûne avec la prière. Parce que le fait que tu jeûnes, tu le fais pour Dieu, pour Allah. Et c'est pour ça qu'au début, la niyyah est importante. Pour qui tu jeûnes? Pour qui je jeûne? Est-ce que je jeûne parce que tout le monde jeûne? Est-ce que je jeûne pour pas que les gens parlent de moi? Hein, ça, c'est assez important. Tout à fait, voilà. Donc là, on fait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Est-ce que, par exemple, en plus en période chaude, on peut peut-être comparer le jeûne qu'on va faire ici en France avec des fortes chaleurs, avec, par analogie, celui-là du prophète sallam en Arabie, avec des grosses chaleurs. Bien sûr. Est-ce que les musulmans ici en France, qu'est-ce qu'ils doivent faire de la journée? Est-ce qu'ils doivent dormir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent profiter, au Non. contraire, lutter un petit peu Non. contre leur nefs, Il etc. faut savoir que la religion a été descendue sur des bases, a été prescrite sur des fondements de sacrifice et de beaucoup d'efforts. Hein. Rasoul alayhi salatu salam, les compagnons ont sacrifié leur vie. Il faut savoir que c'est grâce à eux, après Allah, notre Créateur, que cette religion, elle nous est aujourd'hui raddan tariyan, comme on dit en arabe, mûre et douce. Elle est mûre et elle est abordable, cette religion. Elle est facile. C'est grâce au sacrifice, le sang qu'ils ont fait couler, les compagnons, la vie qu'ils ont sacrifiée. Hein, il faut pas oublier la bataille de Badr. C'était pendant le Ramadan, le 17 Ramadan, hein, que les compagnons, qu'ils ont tellement, Rasoul salam avait tellement de la peine qu'il a ordonné les compagnons de rompre le jeûne. Il a vu en eux la grande fatigue et l'effort, et qu'ils ont attaché les pierres sur leur ceinture, sous leur ceinture. Et nous, aujourd'hui, nous avons aujourd'hui les moyens de confort et de luxe, je dis plutôt. Et malheureusement, nous n'avons pas encore honoré. Alhamdoulilah, il y a du khair dans la Ummah, il y a beaucoup de bienfaits. Mais il faut aujourd'hui honorer l'effort des compagnons et notre mémoire et notre histoire, l'histoire de nos ancêtres. Alors, la chaleur, il faut savoir que, il faut se rappeler de ça, sans vouloir effrayer la communauté, mais il faut se rappeler de la chaleur et la brûlure de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Non. Voilà. Oui, Baraklofik, donc pour tous Voyage. ces conseils et pour donc cet éclaircissement dans notre religion. Donc l'émission se termine, on se retrouvera pour une prochaine fois. Donc je vous le rappelle, si vous avez des questions d'ordre au niveau de la religion,
Si vous voulez savoir, donc vous pouvez poser vos questions par mail à contact@fourcan.tv. Également sur le site, vous rentrez www.fourcan.tv et vous avez le formulaire pour poser les questions. Et également la page Facebook, vous pouvez laisser des messages. Barakallahu fik, oui, encore une fois. Jazakallahu khair. Et à bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.